parler de la ministre des Outre-mer. Elle était en visite à La Réunion la semaine dernière. On a évoqué avec elle notamment la crise requin et on voit là de nouvelles conclusions. Un nouveau rapport qui ne propose pas la levée de l'arrêté sur la Ciguatera, mais les pêcheurs se tiennent prêts à un feu vert pour la commercialisation des squales. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? Je ne suis pas devin, mais je pense quand même que très rapidement, je crois qu'il y aura les autorisations qui seront données concernant la pêche au requin et puis la vente de la chair de requin. Mais ça, ce n'est pas un tout, puisque ça, ça ne va pas régler le problème en totalité. Il va falloir aussi, à mon avis, et là, la ministre l'a dit, et d'ailleurs c'est un combat que je mène depuis maintenant plusieurs années, essayer de revoir le périmètre de la réserve marine, qui là aussi pose des soucis, à mon avis, avérés. Là où il y a la pratique des sports nautiques, il faut que la réserve marine, en tout cas, se déplace. Qu'on n'enlève pas la réserve marine, bien sûr, parce que je pense que c'est nécessaire pour notre écosystème. Et la commercialisation, vous êtes pour, toujours. Ah, mais ça, j'ai même, à l'époque, voulu payer des pêcheurs pour aller pêcher le requin, non pas pour éradiquer le requin, parce que je considère qu'aujourd'hui, il y a une surpopulation et qu'il faut réguler tout ça.